Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, bienvenue pour un nouvel épisode sur Starfield. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre, pas que j'oublie. Ici, technicien. On va faire, on va refaire une mission principale. On reviendra sur ça plus tard. On va revenir du côté de ça. On va aller voir Vladimir. Allez. Ces artefacts n'étant plus de petites anomalies d'espoir dans la mer du néant, j'ai trouvé une récurrence intéressante. L'anomalie gravitationnelle générée par l'un des artefacts correspond à celle d'un autre sur une autre planète, de taille encore supérieure. Parfait. Laisse-moi transférer les données. Mais reste bien sur tes gardes. On ignore de quoi il s'agit ou encore pourquoi c'est si gros. Je t'envoie le marqueur le plus proche possible. J'ai du mal à localiser la source. Tu devras explorer la zone à pied et utiliser ton scanner.
On ignore ce que vous trouverez. Ouvrez bien les yeux. Ok. Et de là, tu découvriras peut-être avec joie l'origine de tout ça. Potion 3. On n'est plus amarré, capitaine. Ok, allons-y sur potion. On dirait que vous n'aimeriez pas en savoir plus, c'est dommage. Nous reviendrons vers vous régulièrement avec d'autres propositions. Merci. Ok. Ça va, sont pas trop hostiles. Ils n'insistent pas. Le scanner portable et chercher des distorsions de votre champ de vision. Salutations, capitaine. Tiens, toi, tu vas me transporter un truc parce que je suis plein. Un petit cavernicole. Les distorsions sur votre casque scanner. Il y a 7 ressources, 5 flores, 10 faunes. Ah, c'est pas mal ici. Est au plus bas. Thank you.
Wow, c'est quoi qui me balance? Allez, viens. Je pense qu'ils se sont enfermés. C'est ça l'anomalie? Elle est gigantesque. Regardez cette architecture. Temple état. Allons-y. Vous avez vu comme la pièce réagit à notre présence. Ces anneaux, surtout. Écoutez, sur la... enquêtez sur la source de l'anomalie. Qui voyait où c'est quoi? Ok, maintenant il faut que je fasse ça. Je vais sur les trucs comme ça bizarres là. Je sais pas comment c'est... est-ce que c'est... il y a peut-être un truc à faire avec les trucs là, là. Quand tu passes dedans, ça fait une musique.
essayer là. Ouais, quand on passe dedans, ça fait ding. Personne, on verra bien, hein. Ça accélère les trucs là. Ah, les anneaux vont plus vite. Ah, c'est peut-être la bonne solution. Ah, là-haut. De symboles. Waouh. Ah, on est. Un nouveau pouvoir champ anti-gravité. C'était génial. J'utilise pas ce mot souvent. Il faut qu'on rentre vous faire examiner à la loge. Mutab. Ah, c'est là où la zone. Pouvoir, ah d'accord, champ anti-gravité. D'accord. D'accord. Moment je l'ai mis où. Ok. Donc là, on retourne à la loge. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser.
trajectoire calculée. Alors, Vladimir. Par la carcasse de Krix. Regardez-moi ça. Si ça vous gêne pas, je vais lancer quelques scans. Là, tout de suite. On avait vu juste concernant l'anomalie, hein. Dis-nous tout. Tout un bâtiment générant une signature identique à celle de l'artefact. Vladimir. Regardez les analyses. Les constantes cardiovasculaires et neurologiques sont pas dans les niveaux habituels. Je crois qu'on va avoir besoin d'une petite démonstration. Tu veux bien nous montrer ? Voilà. Tout le monde a vu ça, hein ? Un véritable don du ciel. Mais aussi la conséquence la plus tangible de notre petite entreprise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sacrément curieux. Nous avons donc les artefacts, un temple et ce pouvoir. Tous reliés. On peut en trouver d'autres ? Les scanners en ont déjà trouvé un. Il correspond à l'un des artefacts trouvés. En théorie, il y a peut-être un temple par artefact. Mais trier tous les signes pour identifier une correspondance est compliqué. Voire impossible sans comparer le bon artefact. Et dans tous les cas, ça prend du temps. Pas d'un coup. Tu vas devoir revenir ici après chaque découverte. J'espère que j'aurai plus d'options à te donner à ce moment-là. D'accord. Ah, il faudrait croiser les références des artefacts qu'on a avec les données de l'Iris pour trouver la source exacte. D'accord. Ah, je pense pas que ce soit de la chance que ce temple t'ait répondu. Les artefacts, les visions, ce pouvoir que tu as reçu, c'est la même histoire au final. Ça donne matière à réfléchir. Enfin, bonne chance là-bas. Je vais continuer à chercher d'autres anomalies qui correspondent à nos artefacts. Trois kits de soins, trois cœurs. Ah, niveau 15. Ok. Comme c'est de la soule du vaisseau augmentée de 10%. Ouais, ce serait pas mal ça. D'accord, en fait c'est ici qu'on peut débloquer les vaisseaux de classe B, classe C. Ouais, pour l'instant je ne peux pas. De toute façon je ne peux pas piloter les vaisseaux, même celui que j'avais j'ai trouvé sur Tosetti 2B. Je ne peux pas l'utiliser. Ok, bon. Donc ça, c'est une nouvelle mission. Obtenez le pouvoir sur Oborum 2A.
Alors je fais, je sais pas quel je vais faire. Allez, on va faire celle-ci. On va aller sur Oborum 2A. Allez. Ah, attends, on avait une petite mission secondaire là. Voilà, celle-ci. On va d'abord livrer ça, les fameux petits cadeaux là. Mieux. Ah, 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 viens ici. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. J'aime vraiment cet endroit. Je pense pas pouvoir vivre ailleurs. Comment? Oh mon Dieu! Merci infiniment. Je m'y attendais pas vu que Chris ne peut pas venir cette année. Comment va-t-il? Est-ce que tout va bien? Oh, vous avez raison. Je dois commencer à faire plus confiance à ce qu'il me dit. C'est juste qu'il est si loin et on sait jamais vraiment s'il va bien. Et voilà, je recommence déjà. Bref, je lirai sa lettre et je verrai comment il va. Merci beaucoup de m'avoir apporté tout ça jusqu'ici. Tenez, prenez ça, pour le dérangement. Ah, mais 800 crédits, bon, c'est bien. Bien sûr. New Atlantis est une destination très populaire. Il y a toujours plein de rencontres à faire. J'adore discuter avec de nouvelles personnes et les écouter raconter leur voyage. Et en plus, c'est un métier sans risque. Pas comme celui de mon frère. À la prochaine. Salut. C'est toujours agréable de voir un nouveau visage. Première fois à New Atlantis ? Ah ouais? Et pourtant, c'est maintenant qu'on se rencontre pour la première fois. Tu sais quoi? Comme t'es né dans cette ville, je t'offre le premier verre. Hésite pas si tu veux que je te serve un truc. Mmh. Ouais. Le trafic du port spatial y est pas pour rien. Mais juste entre toi et moi, je travaille sur un truc qui va tout changer. Une nouvelle boisson qui rendra cet endroit célèbre dans toute la galaxie. Tu adorerais ça, je te le garantis. Seulement, je peux pas te la préparer pour l'instant. J'ai pas les ingrédients. J'ai passé un accord avec un transporteur pour qu'il m'apporte des échantillons d'un ingrédient qui fera toute la différence. Mais il s'est jamais pointé. Apparemment, le type bossait aussi pour d'autres gens. Le genre de client qui transporte des cargaisons moins légales. Ah, petite mission. Les flics l'ont appris, et ils ont confisqué toute la cargaison. Maintenant, ils la gardent au chaud sans rien faire, comme d'habitude. Ça m'énerve. Oh, j'ai rempli toute la paperasse, crois-moi. Ça servira à rien, évidemment. Mais je l'ai fait. Et je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça qu'il me faut. J'ai juste... l'impression que c'est ça. Il faut que je récupère cette cargaison. Exactement. Je vais jamais réussir à dormir si je sais pas. Mais avant toute chose, je ne te demande en aucun cas de faire quoi que ce soit qui puisse violer l'une des très nombreuses lois en vigueur ici à New Atlantis ou dans toute l'Union coloniale. Je te demande simplement, en tant qu'ami, si tu ne pourrais pas trouver un moyen de récupérer une cargaison importante confisquée par les autorités. Et dans l'hypothèse où tu ferais ça d'une manière qui ne soit pas légale à 100%, bah, ce serait pas la fin du monde. Tu veux bien m'aider? Oh, t'as pas idée à quel point ça me soulage. Voilà. Évidemment, l'idée c'est pas de débarquer en tirant sur tout ce qui bouge et en prenant des otages. Non.
Il y a forcément un autre moyen d'obtenir ce que je veux. Je suis pas inquiète, je suis agacée. Attends, est-ce que tu dis que je devrais être inquiète? Non, bien sûr que non, tout ira bien, parfaitement bien. Je te fais confiance. Évidemment, l'idée c'est pas de débarquer en tirant sur tout ce qui bouge et en prenant des otages. Non, il y a forcément un autre moyen d'obtenir ce que je veux. Je suis pas inquiète, je suis agacée. Attends, est-ce que tu dis que je devrais être inquiète? Non, bien sûr que non, tout ira bien, parfaitement bien. Je te fais confiance. Ok. À la prochaine. Bon. Allez, on y va. Direction Orbium. Oberon Prime. Ok. On va déjà la scanner. Ah, il y a quoi? La platine du tantal, du plomb, de l'argon. Anomalie du scanner. Engagé. Attention aux signaux. Derrière, dans un vaisseau croisé. Totalement dépourvu de vie. J'ai vu un truc par là.
fait du chlore, ok. Ah, c'était pas un vaisseau écrasé, en fait c'est une anomalie je pense. De l'argent. Élément géophysique inexploré. Anomalie gravitationnelle. Cellulite. Là aussi. Voilà. Allez, on y retourne. On va récupérer un peu de chlore. Ah. Je sais pas si c'est du ou de la tantale. 5 ressources sur 8. Par là. Par ici. Temple Alpha. Alors. Allez, il va falloir retrouver les points. Les points d'anomalie là. Comme tout à l'heure, pas comme la dernière fois. Donc là-haut, on va accélérer la
la vitesse de rotation. Là, le robot est pas mieux avec nous. Donc on a reçu l'atmosphère privée. Je vais regarder ce que... Oh, hypothermie, faut que je me barre d'ici. Atmosphère privée, oxygène free, pur arrive en force pour vous permettre de respirer et contrer le dioxyde de carbone. Donc du coup, au niveau des missions, voilà, on va retourner là. D'aborder. Attention.
on augmente notre défi de pilotage là. Allez, il en faut 5 pour pouvoir monter de rang. De vaisseau, ça c'est cool. Allez, on y va. Il est reparti sur l'Iris, d'accord. Aïe, aïe, aïe. J'y étais un peu fort. J'ai passé tellement de temps à étudier les scans que je peux voir les systèmes stellaires orbiter dans ma tête. J'en ai trouvé un. Presque une aiguille dans une botte de foin. Ses pouvoirs ne pondent pas à la tête, j'espère. Il y a déjà assez d'ego à Constellation. Potion B. Oh, oh. D'accord, bon. Bon, ce qu'on va faire, on va retourner sur... on va retourner à la loge, on va faire... on va faire l'arc... on va faire l'arc Samco. Il y avait la deuxième partie, là.
le nid vide là. On va aller à Samco. Bon bah du coup on va cesser là-dessus pour l'instant les amis, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rater une vidéo, et on se donne rendez-vous donc la fois prochaine pour suivre l'arc Samco, et d'ici là portez-vous bien, vous y bien, prenez soin de vous et de vos proches, allez ciao ciao.